Triste nouvelle en ce début d'année. Nathaël Julien, footballeur de 23 ans évoluant à Guingamp en Ligue 2, est mort ce vendredi 3 janvier dans un tragique accident de voiture. Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Le football français pleure l'un de ses jeunes espoirs. Nathaël Julien, attaquant de l'An avant Guingamp, est décédé ce vendredi 3 janvier à l'âge de 23 ans dans un accident de voiture au retour d'un entraînement. L'AFP n'a pas donné plus de détails sur les circonstances du drame, via le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours des Côtes d'Armor, CODI, alors qu'il roulait sur une voie express à Pordic, sa voiture a quitté la chaussée et a terminé sa trajectoire contre un arbre. En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, il est mort sur les lieux. Un nouveau drame dans le monde du football, près d'un an après le décès d'Emiliano Sala dans un accident d'avion. Sur les réseaux sociaux, son club a tenu à lui rendre hommage, l'An avant Guingamp est en deuil. Le club a eu l'immense douleur d'apprendre cet après-midi le décès accidentel de son joueur Nathaël Julien. En ce jour tragique, tous les membres du club s'associent pour adresser leurs condoléances attristées à la famille de Nathaël. La rencontre préparatrice qui devait avoir lieu entre Guingamp et Concarneau ce samedi 4 janvier a été annulée. Ce même jour, toutes les activités du club breton seront suspendues. Les hommages pour Nathaël Julien se multiplient sur les réseaux sociaux. Aldo Kaloulou, joueur du Swansea City Club, a publié « Je viens d'apprendre la nouvelle. Mon gars, mon adversaire depuis l'enfance, tu vas nous manquer à tous. » Clément Grenier du Stade Rennais a présenté ses condoléances, repose en paix Nat. Quelle triste nouvelle. Difficile de trouver les mots ce soir. Mes sincères condoléances à la famille et aux proches. Un drame. Je n'ai pas les mots. Que la terre lui soit légère, a posté Youssef Haït Benassé des Girondins de Bordeaux.